Bonjour à tous. Alors je vais commencer effectivement par dire quelques mots sur Multicia Capital avant de parler de notre gestion et de notre fonds Multicia Patrimoine. Donc Multicia Capital, c'est une société qui a été fondée par Jean-François Comte, mon associé moi-même, en 2009. Pour vous donner un petit élément de background sur les différents associés, donc Jean-François Comte est banquier d'affaires, était banquier d'affaires pendant 10 ans à la Banque Lazard à New York. Et avocat de formation à la fois en France et aux États-Unis, donc spécialiste de M&A en ayant exécuté donc, au cours de toute sa carrière chez Lazard pour plusieurs dizaines de milliards de dollars d'opérations, donc un spécialiste des fusions acquisitions. Moi je suis économiste de formation, j'étais conseiller de Jean-François Copé à Bercy quand il était ministre du budget, et j'ai rejoint ensuite le fonds PI Partners, donc, qui est un fonds de LBO, où moi j'étais de l'autre côté de la barrière, j'achetais des sociétés, donc j'étais responsable de lancer des OPA, principalement sur des boîtes privées, mais aussi sur des boîtes publiques, typiquement par exemple Atos ou Kaufmann Lombard. Donc on a décidé de quitter nos carrières respectives, c'était un projet qu'on avait mûri de longue date, pour lancer ce fonds Multicia Patrimoine, qui correspond évidemment parfaitement à nos expertises, compte tenu du thème d'aujourd'hui qui sont les fusions acquisitions. Et donc l'objectif, c'était de mettre à profit un peu, je dirais, à l'anglo-saxonne, puisque c'est vrai que notre démarche, quand on va parler, on va rentrer dans le détail des différentes situations, par exemple, dans lesquelles on investit, c'est une démarche qui est très qualitative. On a exécuté donc dizaines et des dizaines d'opérations dans des secteurs extrêmement différents, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Et donc c'est, je dirais, avec cette expertise de professionnels des fusions acquisitions qu'on a lancé ce fonds. Le fonds Multicia Patrimoine, on l'a lancé en 2009. C'est un FCP de droit français qui a une liquidité, c'est un FCP UCITS, qui a une liquidité hebdomadaire. L'objectif, en fait, il y a un double objectif de performance. Le premier objectif, c'est de faire entre 6 et 8% avec une volatilité maîtrisée. Donc c'est typiquement le genre de fonds qui convient assez bien ou une gestion assez patrimoniale, d'où son nom, une gestion conservatrice et une gestion prudente. Là, ça c'est l'objectif, je dirais, théorique. L'année dernière, on a fait environ 6% pour une volatilité de 2. Donc très faible volatilité, performance correcte. Cette année, c'est le deuxième objectif, c'est dans les années un tout petit peu exceptionnelles, et je pense que on sera tous d'accord pour dire que 2011 est une année exceptionnelle, de protéger au maximum le capital de nos investisseurs, et aujourd'hui on est flat depuis le début de l'année. Tout ça, encore une fois, avec une volatilité qui est faible. Comment est-ce qu'en fait on arrive à faire ce type de performance et quels sont les moteurs finalement de ces performances? En fait, on a deux moteurs. On a un premier moteur qui sont l'arbitrage sur fusion-acquisition, les OPA annoncés, donc on va rentrer dans le détail, mais l'objectif pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est finalement de capturer le spread entre le prix auquel une société cote. Aujourd'hui, Motorola, par exemple, qui peut coter 38$, vous avez une offre de Google à 40$, alors que tout le monde vient vendre à 38, nous, notre objectif, c'est d'acheter à 38 pour conserver jusqu'à 40, et ça, ce petit spread, en annualisé, ça vous donne un rendement qui est significatif, et qui est particulièrement intéressant d'ailleurs aujourd'hui, quand la conjoncture est très volatile. Ça, c'est la première stratégie. Une stratégie qui a quand même un mérite, c'est qu'elle est, et en l'occurrence Catherine et Eric font la même chose mais avec une approche un petit peu différente, qui a en tout cas un mérite, qui est qu'elle surperforme les marchés actions et les marchés obligataires depuis plusieurs décennies pour une volatilité qui est plus faible. Donc en soi, cette stratégie, c'est une stratégie qui est une stratégie intelligente. On a un deuxième moteur de performance. Parce que l'inconvénient de cette stratégie, c'est que parfois vous pouvez vous retrouver dans des situations comme en 2007 où les spreads d'arbitrage, donc c'est-à-dire le rendement que vous faites, est de l'ordre de 6-7%, alors que les taux d'intérêt sont de 4%. Et c'est pour ça qu'on a un deuxième moteur de performance, c'est d'identifier les cibles potentielles d'OPA. Toujours dans cet univers du M&A, à la fois les OPA annoncés d'un côté et de l'autre les OPA anticipés.
avec effectivement une variation entre l'un et l'autre en fonction de l'environnement macroéconomique et en fonction de l'intérêt des spreads. Aujourd'hui, ils sont encore une fois très intéressants et c'est pour ça que vous voyez que la plus large majorité du portefeuille est justement consacrée à ce type d'opération. Aujourd'hui, environ 10% est sur les OPA anticipés. C'est un fonds qui a eu le prix du meilleur fonds UCITS Event Driven cette année. Et on est, je crois que c'est la raison pour laquelle on est là tous, on est sélectionné par Morningstar et on espère gagner, mais on ne pense pas gagner, malheureusement, mais c'est pas grave. L'UTCA patrimoine, si on le rapproche à des indices un petit peu globaux d'absolute return, il surperforme l'indice Global Edge et il surperforme aussi, puisque c'est un fonds qui est market neutre. Ce que j'aurais dû préciser, c'est que quand on est long d'une société cible dans la deuxième partie du portefeuille, on short le marché en face et donc c'est un fonds qui, je dirais par essence, est market neutre. Si on rentre maintenant un petit peu dans le détail du type d'opération sur les OPA annoncés, je parlais tout à l'heure de Google Motorola, mais les OPA qu'on arbitre sont les grandes, les OPA uniquement en Europe et en Amérique du Nord, sont les OPA entre les grandes sociétés cotées, typiquement du Google Motorola. Aujourd'hui, c'est une société donc, qui se fait racheter. On vient pour capturer le spread, et je dirais l'intérêt aussi, c'est que, étant un fonds de relative petite taille, on a la capacité, par rapport à d'autres gros acteurs du secteur, par rapport aux Paulson qui font plusieurs dizaines de milliards, qui sont très gros sur cette stratégie, on a la capacité aussi à ce qu'on appelle scalper le spread, c'est-à-dire finalement à venir augmenter les rendements en profitant de la volatilité, de l'augmentation de la volatilité de marché. C'est typiquement, par exemple, dans les circonstances comme celles qu'on a pu connaître en août, extrêmement intéressant, puisque vous vous retrouvez, y compris sur des opérations parmi les plus sûres, type Solvay qui rachète Rodia, donc je dirais opération sûre ce qu'il en est, avec début août un écartement des spreads tel que ce qui pouvait vous donner un rendement annualisé de l'ordre de 7-8% devient un rendement annualisé du jour au lendemain de 13-14%, alors que fondamentalement, les risques qu'une opération n'aille pas à son terme n'ont pas changé. Justement, à propos de risques, puisque finalement, c'est une stratégie qui est une très belle stratégie sur les dernières années et sur les dernières décennies, le problème, c'est que c'est une stratégie où il faut avoir toujours raison. Finalement, dans la boîte de chocolat, il ne faut jamais prendre le chocolat empoisonné, il ne faut jamais prendre l'opération qui ne va pas à son terme, qui explose. Et en fait, si on regarde un peu dans le détail quels sont les risques qu'une opération n'aille pas à son terme, puisque effectivement, si vous perdez et qu'une opération explose, vous perdez le premium en fait, que vous étiez venu chercher, donc finalement, ça annule les gains que vous pouvez avoir sur l'ensemble des autres opérations. Si on prend les quatre principaux risques, ce sont quoi ? Ce sont les risques financiers. Typiquement, par exemple, en 2007-2008, il y a beaucoup d'opérations de LBO, un certain nombre d'entre elles ont capoté pour des risques de financement parce qu'aux États-Unis notamment, les boîtes peuvent annoncer des OPA en ayant des conditions de financement qui tombent plutôt bien. Ça a été notre métier par le passé de faire du LBO ou d'être conseil sur des opérations de ce type-là. Donc, on connaît l'ensemble des banques de financement, on a travaillé avec eux, on a nous-mêmes négocié ce type de contrat. Deuxième risque, c'est un risque juridique. Quand vous avez une situation, c'est toujours des contrats, c'est un petit peu la beauté de notre stratégie, et c'est pour ça qu'on est tous ici des gens qui la pratiquons, qui sont des gens qui sont très analytiques, puisque en fait, l'ensemble des documents sont publics, l'ensemble des contrats d'OPA, les contrats de financement, les analyses des uns des autres, à un degré d'ailleurs que parfois les gens n'imaginent pas. Notre métier, c'est finalement d'analyser ces contrats pour voir notamment les fameuses MAC clauses, c'est-à-dire les clauses qui permettent à l'acheteur, en cas de circonstances un peu exceptionnelles, de sortir. Là aussi, on en a négocié chez UTCA Capital des dizaines dans nos carrières respectives, et comme je mentionnais en préambule, on associe d'avocats de formation à la fois en France et aux États-Unis. Enfin, troisième risque réglementaire. On a vu avec un certain nombre de transactions qu'on défrayait de la chronique, type potash par exemple au Canada, où pour des raisons assez exogènes, un gouvernement peut décider du jour au lendemain, pour des raisons un peu politiques, de bloquer une transaction. Aujourd'hui, on parlait de Google Motorola, typiquement, une des raisons pour lesquelles le spread annualisé est aussi intéressant, c'est qu'il y a un risque antitrust. En l'occurrence, la semaine dernière, la Commission européenne a envoyé à Google un mémo de 400 pages qui rappelle l'ensemble des griefs qu'elle peut avoir à son encontre. Donc,
il y a, je dirais, un intérêt et un enjeu à comprendre bien les mécanismes à la fois politiques et antitrust, ce qui tombe plutôt bien puisqu'on a été de l'autre côté de la barrière. Moi, en l'occurrence, mon job notamment à Bercy, c'était d'aller prendre ma petite mallette et de défendre les dossiers antitrust des boîtes françaises. Et enfin, le dernier risque, c'est un risque de délai, puisque évidemment, plus le délai s'allonge, et évidemment, moins le rendement est intéressant. Ça, c'est la première stratégie. On essaie de se concentrer sur les opérations les amicales entre acteurs stratégiques qui offrent des rendements attractifs. C'est le cas aujourd'hui. Il y a aussi des opérations de LBO. Il y a des opérations aussi hostiles qui sont un petit peu plus compliquées, mais néanmoins très intéressantes, qu'on pratique aussi, type Sanofi Genzyme. On avait une très grosse position dans Genzyme qui s'est fait racheter par Sanofi. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, qui est la stratégie complémentaire, c'est en fait la stratégie où on cherche à anticiper les sociétés cibles potentielles d'OPA. Si on résume, si on prend les 500 sociétés du SP500, il y en a en moyenne une quinzaine d'entre elles, 3%, qui se font racheter chaque année. Donc nous, notre objectif sur cette deuxième stratégie, c'est d'augmenter ce hit ratio, de passer de 3 à 5 à 8, évidemment le plus possible. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on fait quelque chose d'assez simple et de bon sens. Le premier, c'est que on se concentre sur les secteurs sur lesquels il y a le plus d'OPA anticipé. C'est quoi aujourd'hui? C'est la technologie. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de cash sur les bilans des grandes entreprises de technologie qui est considérable. Deuxième secteur, c'est l'énergie. Notamment les pays émergents doivent renouveler leurs sources d'approvisionnement et les grandes entreprises également, donc on se concentre sur ce secteur. Et le troisième secteur, c'est le secteur de la santé. Je mentionnais tout à l'heure Sanofi Genzyme. Typiquement, c'est le meilleur exemple, puisque vous avez des gros labos pharmaceutiques qui doivent renouveler leur pipeline, puisque un certain nombre de leurs médicaments arrivent à échéance, leur fameux blockbuster qui génère pour plus de 1 milliard de dollars de revenus. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont une nécessité, ils ont une nécessité vitale à se renouveler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opérations dans ce type de secteur. Donc, par exemple, on se concentre sur ces secteurs. A contrario, on ne va pas aujourd'hui dans les secteurs typiquement financiers. Pourquoi? Parce que clairement, aujourd'hui, si vous êtes une banque, vous avez déjà du mal à comprendre ce qu'il y a dans votre bilan, mais alors vous avez encore plus de mal à comprendre ce qu'il y a dans le bilan du voisin. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peu de transactions de ce type. Donc, déjà, en se concentrant sur les secteurs sur lesquels il y a le plus d'opérations et en excluant les secteurs sur lesquels il n'y a pas d'opérations, mathématiquement, vous augmentez ce hit ratio, ce taux de succès. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est qu'on a mis en place en fait des modèles qui ne sont pas du tout des modèles compliqués ni très originaux, qui sont en fait des modèles qu'on utilisait en banque d'affaires et en private equity dans nos métiers respectifs précédents. Pourquoi? C'est des modèles assez simples. Vous mettez d'un côté, ce sont quand même des modèles d'accrétion-dilution, vous mettez d'un côté les consolidateurs. Donc vous avez, par exemple, typiquement dans le secteur du foot, vous avez quoi? Vous avez Nestlé, vous avez Kraft, vous avez Danone, les principaux acheteurs potentiels. Et vous avez de l'autre les sociétés cibles. Là aussi, qu'on peuple de manière qualitative, en discutant avec des spécialistes, puisqu'on ne prétend pas, tant s'en faut, être spécialiste de tous les secteurs. On en connaît un certain nombre bien, mais d'autres, on ne les connaît pas. Et ça se joue souvent à des logiques non seulement sectorielles, mais sous-sectorielles. Donc on va vraiment, je dirais, dans le plus haut degré possible de détail. Typiquement, pour reprendre l'exemple du food, on sait qu'aujourd'hui, même Pepsi veut plus de carb soda. Ils veulent tous du baby food, ils veulent tous du bio. Donc on se concentre, on peuple de manière qualitative donc ces modèles en mettant les sociétés cibles dans ces secteurs. Et en fait, ce sont des modèles qui simulent des OPA, des OPA en stock, des OPA en cash, des OPA moitié stock, moitié cash, et qui nous permettent en fait de spotter exactement ce que font les banquiers d'affaires, de spotter les boîtes qui font sens d'un point de vue financier. C'est comme ça qu'on avait été amené à identifier typiquement Céphalon, qui était une cible potentielle qui était dans notre portefeuille. On a pris le premium de 30%. Malheureusement, on aurait dû rester, mais on a vendu à ce moment-là. Il y a une première offre avec un premium de 30% du Canadien Valeant. On a vendu à ce moment-là. Il y a une contre-offre de Teva, israélien. Et on est re-rentré dans la situation d'arbitrage. Ce qui fait que non seulement on a pris le premium, mais ce qui, en fait, nous a rendu aussi très confortable pour avoir tout de suite une assez grosse position dans l'arbitrage. Donc, on est convaincu que le fait d'avoir ces deux stratégies, dans la durée, permet de surperformer, puisque, en fait, ces deux stratégies
ont une corrélation inverse à la volatilité. Plus l'environnement est volatile, comme c'est le cas aujourd'hui, plus effectivement les spreads sont attractifs, et donc plus on va investir dans les sociétés type Google, Motorola, les spreads de ce type. Et à l'inverse, si la situation, ce qu'on espère tous, de marché s'améliore, on va utiliser la deuxième stratégie, et en espérant qu'il y ait évidemment de plus en plus d'OPA qui s'annoncent, typiquement bah, comme c'était le cas en 2007, où vous aviez trois OPA qui étaient annoncés par semaine. Je crois que j'ai mon temps et un parti. 5 minutes. Alors, voilà. C'est fini. Non, peut-être juste des questions. juste des questions. Dans l'identification d'une transaction destinée qu'elle ne va pas aboutir, sous couvert que ce soit possible de vendre à découvert, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous positionner dans votre stratégie en market neutral sur l'analyse qu'une transaction n'allait pas aboutir? Non, on ne fait pas de Chinese, on ne parie pas contre les transactions qui n'aboutissent pas. Oui, dans votre analyse de la performance de cette année, vous avez fait une très belle opération qui a compensé toutes vos erreurs, ou il y a 10 opérations qui justifient que vous êtes flat. Écoutez, bah, là, en l'occurrence, la deuxième stratégie, si on fait le comparatif avec les indices en fait, qui sont évidemment des indices offshore, mais event driven et merger arbitrage. Si on avait eu que le merger arbitrage cette année, on serait nettement plus positif. Donc on a perdu de l'argent à cause des stratégies effectivement event-driven qui sont bien sûr plus spéculatives, mais c'est aussi celles qui nous ont permis par exemple de surperformer l'année dernière. Attends, mais c'est pas tout à fait ma question. Votre question c'est est-ce que c'est sur une seule transaction qu'on a perdu? Est-ce que c'est sur un an? Vous n'avez pas fait une belle performance visiblement par rapport au marché. Est-ce que c'est une ou deux belles opérations pour compenser toutes les erreurs? Où il y a 10 opérations qui justifient que vous soyez à zéro alors que les marchés sont beaucoup plus bas. C'est une dizaine au global, puisqu'en fait vous pouvez gagner en fait à la fois sur effectivement si vous avez un céphalon et vous promettez le bon premium, mais vous pouvez aussi gagner, et en l'occurrence Catherine va en parler, je crois, parce que j'ai compris, on peut aussi en gagner quand il y a des opérations qui sont un petit peu plus, où on est un petit peu plus contrariant. Où on est dans des situations où effectivement le spread est beaucoup plus important et une opération finit par se faire, et vous avez des gens comme Catherine qui le font très bien, et nous c'est une partie plus petite du portefeuille en fait. Donc on peut gagner aussi sur des opérations ou alors sur des OPA hostiles, bah, type par exemple Sanofi Genzyme, où clairement si vous avez une position significative, ce qui était le cas dans Genzyme, vous avez de bons retours. D'autres questions? Alors, juste. Oui, quand vous dites que vous êtes market neutral, c'est-à-dire que vous achetez la cible et que vous vendez à découvert de l'acheteur? Non, c'est. Alors, en fait, sur la partie OPA annoncée, sur la partie merger arbitrage, on est toujours long de la cible quand c'est en cash et long de la cible short de l'acquéreur quand c'est en stock. Et sur la partie pré-event, on est long de la cible et on est short du marché en face ou du secteur, mais en général du marché. Ah, évidemment, bêta ajusté. Dernière question. Peut-être juste, vous pourriez nous rappeler l'encours géré par le TCA. On est monté jusqu'à 150 millions de dollars cet été, et aujourd'hui on a une centaine de millions de dollars.